nul comme Adorno, nul n'a été aussi sensible à un certain prosaïsme de Hölderlin et à ce qui apparente le phrasé dialectique, au mode d'exposition par thème et variation de la grande sonate ou de la grande symphonie beethovenienne. Il y a pour Adorno une écriture philosophique, poétique, musicale, du spéculatif. Et l'impressionnant chez Adorno est qu'il n'en reste pas là. Ce qu'il vise au contraire, c'est le moment de la rupture, ou mieux, de la mise en suspens, dans Hölderlin, du spéculatif. Ce qui l'intéresse en réalité, c'est la césure. Autrement dit, puisque dans Hölderlin le mot en implique le concept, le tragique. La musique de type beethovenien, dans laquelle la réexposition, c'est-à-dire le rappel des structures thématiques exposées précédemment, veut être dans l'idéal le résultat du développement, c'est-à-dire de la dialectique, fournit sur ce point un analogone qui dépasse la simple analogie. Mais ce que l'écriture musicale accomplit, mesuré à l'aune de la syntaxe spéculative, si c'est bien une synthèse, cela reste une synthèse, dit Adorno, non conceptuelle. De même, dans sa différence affirmée à la philosophie, ce que tente d'atteindre la poésie de Hölderlin, c'est une telle synthèse non conceptuelle. La visée dans Hölderlin est d'ordre musical. Mais ce faisant, la poésie va contre son médium, le langage, qu'elle partage avec la philosophie et qui est l'élément par excellence du concept. La synthèse dès lors ne se fait pas. L'opération dialectique spéculative s'inachève et se paralyse. Son Hölderlin est en somme celui de la déchirure non cicatrisable qui écarte philosophie et musique, art et pensée, et qui subit jusqu'au bout, jusque dans son écriture, la loi sans loi de cet écartèlement.
Thank you.